Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul couture. Donc, je vais vous présenter un peu de tissu, de livres et des magazines. Avant de commencer, je suis désolée pour ma dégaine, voilà, pour ma tenue, etc. Si j'ai le nez rouge et tout, je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on est samedi 15 janvier, il est je pense pratiquement pas loin de 13h et en fait, ce week-end, on n'a pas de chauffage. Voilà, la chaudière a un gros problème, voilà tout simplement. Donc ce qui fait qu'on doit attendre tout le week-end, donc 2 jours à se les peler dans la maison. Et bon, je dis 2 jours, mais ça faisait déjà 3 jours avec le vendredi et il y avait encore eu un souci dans la semaine, je crois que c'était mardi. Moi, mardi, on commençait à vraiment avoir froid et tout parce qu'il y avait encore un souci avec la chaudière. On n'a vraiment pas de bol avec cette chaudière, donc on espère que lundi matin, ça sera terminé. Et donc, je suis vraiment désolée pour ma dégaine. Je suis vraiment désolée, mais bon, après, je pense que vous regardez ma vidéo pour mes achats et non pour ma dégaine, on est d'accord. Bref, on va passer à autre chose. Donc maintenant, je vais commencer mon haul. Je vais commencer par les tissus parce que j'ai pas vraiment énormément de choses à vous présenter. Donc pour commencer, j'ai passé une commande sur le site FAG Textile pour acheter plein de bord-côte. Voilà, parce qu'en fait, la semaine dernière, il y avait des ventes privées sur le site FAG Textile. Sur les bord-côtes, ils étaient tous à moins 50%, surtout les bord-côtes coton bio. Et vu que j'avais besoin de bord-côtes de d'autres couleurs et de certaines couleurs que j'avais déjà achetées sur leur site, je me suis dit, ça tombe bien, je vais pouvoir passer une commande. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté... Attendez, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai acheté 10 bord-côtes différents. Ouais. Je me suis fait plaisir comme vous pouvez le voir, mais ça m'a coûté que 27 euros en tout, sans les frais de port, hein, je tiens à préciser. Et pour les frais de port, j'ai pris Mondial Relais, c'est vraiment très très rapide, et j'ai payé 4,50 euros pour les frais de port, ce qui fait que j'ai payé 31,50 euros. Vraiment, c'est vraiment pas mal, ça vaut vraiment le coup, on est d'accord. Donc je vais vous montrer tous les bord-côtes, il y en a juste un que je peux pas vous présenter parce qu'en fait j'en ai besoin et il est au lavage. Donc voici ma petite pile de bord-côtes. Je vais vous montrer, par contre je cache les prix donc ça n'a pas de pratique. Alors je vais prendre avec les couleurs qui me viennent. Alors après, est-ce que je vais me souvenir vraiment de leur nom exact? Je ne sais pas, sinon je regarderai sur le site et je rajouterai dans la vidéo, donc pendant le montage. Alors pour commencer, j'ai pris 1 mètre de ce bord-côte lavande. Ouais, il s'appelle lavande celui-ci. Alors il était à 1,25€ les 50 cm au lieu de 2€ et quelques, je crois. Donc vraiment, ça vaut le coup, ou c'est au lieu de 3€, un truc comme ça. Donc j'ai pris 1 mètre. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'avais déjà dans mes tissus, dans mes bord-côtes. Donc c'est le bord-côte poudre de riz qui coûte 1,75€ et 50 cm et j'ai pris 50 cm. Ensuite, un autre bord-côte que j'ai déjà à la maison mais que j'ai recommandé 50 cm, c'est celui-ci. Et celui-ci, il s'appelle pain d'épices et il coûtait 1,75€ les 50 cm, bien sûr avec la promo. Sinon c'est 3€ je crois les 50 cm. Donc en soi, c'est pas si cher que ça, mais je préfère en profiter quand il y a les réducs. Ensuite, j'ai pris 1 mètre de celui-ci qui s'appelle, je crois, cendre. Il coûtait 1,75€ les 50 cm. J'ai pris 1 mètre pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris 1 mètre de celui-ci qui s'appelle bleu de Sèvres. Toujours le même prix, 1,75€ les 50 cm. Alors je crois que pendant les soldes, c'est les mêmes promos que dans la vente privée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils ont laissé la promo, je pense, pendant toute la période des soldes. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité, les bord-côtes. Ensuite, j'ai pris 1 mètre de celui-ci. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le camomille. Et c'était le même prix en promo, donc 1,75€ les 50 cm.
Et ensuite, on passe au bord-côte dans les tons rose. Donc, j'en ai pris 3, mais comme je vous ai dit, le troisième actuellement, il est au lavage. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le présenter. J'essayerai de vous faire un close-up pour vous montrer la couleur que j'ai pris. Donc, j'ai pris 1 mètre de celui-ci. Alors, par contre, comment vous dire que je ne sais absolument pas c'est quoi le nom, parce que j'ai pris 3 roses. Et il y a rose petit rat, rose froufrou et rose iris. Je ne sais pas du tout c'est lequel, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire. Mais sinon, ils étaient au même prix, hein, tous les 3. C'était 1,75€ les 50 cm. Donc, j'ai pris celui-ci. Et le deuxième que je vais présenter, c'est vraiment un espèce de rose bonbon, vraiment pétant. Vous le voyez fluo, mais il n'est pas fluo, hein, je préfère vous prévenir. Donc, c'était le même prix, 1,75€ les 50 cm. Et j'ai pris 1 mètre pour celui-ci aussi. Et le dernier bord-côte que je ne peux pas vous présenter, mais je vais essayer de vous décrire la couleur. En fait, c'est un rose vraiment assez pâle, mais en même temps, c'est un mélange de rose pâle et de violet très très pâle, qui est vraiment très très joli. Alors, peut-être que je vous dis ça et quand je vais faire le close-up, je vais me dire, ah non, c'était pas du tout ça. Mais bon, dans mes souvenirs, une couleur assez pâle, mais qui tire quand même pas mal sur le rose, mais il y a une petite touche de violet, j'ai l'impression. Il est vraiment très très joli. Et pour celui-ci, j'ai pris 1 mètre aussi. Et le prix, c'était la même chose, 1,75€ les 50 cm. Maintenant, je vais passer à 2 tissus extensibles que j'ai achetés dans le magasin juste à côté de chez moi. Je les ai achetés ce matin. En fait, c'est 2 tissus que j'ai achetés pour faire des t-shirts Hercule pour mon frère. Voilà, en fait, tout simplement, mon frère a fait une petite formation comme ça de 1 ou 2 semaines, si je dis pas de bêtises, pour savoir comment se présenter à un entretien, etc. Voilà, par Pôle emploi qui propose ce genre de formation et tout. Et en fait, on lui a dit que porter des joggings ou des t-shirts avec, je sais pas, un Mickey ou voilà, avec quelque chose que vous aimez beaucoup, voilà, ça fait partie de vos passions, etc. Bah, ce qui paraît quand les personnes qui voilà, font passer les entretiens, etc., quand ils voient ça, bah, pour eux, c'est pas une bonne nouvelle ou un truc comme ça. Bon, ça dépend bien évidemment de chaque patron, de chaque entreprise bien évidemment, mais c'est ce que mon frère m'a dit. En fait, je lui ai proposé de lui faire des t-shirts avec le patron gratuit t-shirt Hercule de Urban Ferry. Donc j'ai acheté 2 tissus jersey de coton dans le magasin à côté de chez moi, donc je vais vous les présenter. Alors ils ont rien d'exceptionnel, c'est juste 2 gris. Voilà, c'est 2 tissus gris, un foncé et un clair. Voilà, il voulait un truc assez sobre, voilà, c'est dans ses couleurs, c'était soit du gris, du bleu, du noir, vous voyez vraiment les couleurs vraiment de, entre guillemets, de mec, on va dire comme ça. Donc j'ai pris 2 tissus qui pourraient être sympas pour faire des t-shirts pour mon frère. Donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Donc voici le premier tissu que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi. Donc c'est un tissu, comme je vous ai dit, jersey de coton. Et en fait, c'est un gris très très foncé, chiné, un peu comme celui que vous pouvez trouver sur le site Drizzenstoffen, pratiquement. Donc si je dis pas de bêtises, il coûtait je crois 5€ le mètre, et vu que c'est les soldes, il y avait moins 20% sur tout le magasin, sur tous les tissus, donc je l'ai eu beaucoup moins cher, et en plus j'ai pris 1,10 m, donc voilà. Après, le prix exact, je pourrais pas vous dire, faudrait que je fasse un petit calcul, mais moi, les calculs mentaux, c'est pas mon truc, donc je vous mettrai ça dans la vidéo, je suis désolée. Alors, au niveau de l'extensibilité, on va dire comme ça, je vais le déplier, hein, c'est pas très très grave. Bon, il est un peu, il soit un peu dur, mais je pense qu'il faut que je les lave aussi, hein. Voilà. Mais la vendeuse nous a dit que c'était un très très bon tissu, qui est vraiment très très agréable, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et de ce côté-là, pas de problème non plus. J'ai fait tomber un truc de mon micro, comme d'habitude. Voilà, c'est bon. On peut repartir, ou pas, j'espère. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Et de ce côté-ci, un peu moins. Mais bon, le plus important, c'est de ce côté-là, on est d'accord. Pour ce premier tissu qui est vraiment top, vraiment j'ai hâte de le laver et de faire des t-shirts pour mon frère. J'espère que ça va lui aller et que je vais pas me foirer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je l'ai fait... son premier pantalon de jogging, je me suis foirée. Voilà pourquoi je dis ça. Mais normalement, là c'est des t-shirts, j'ai l'habitude. Donc normalement, je ne devrais pas me foirer. Normalement. Et le deuxième tissu, comme je vous ai dit, c'est un gris clair. Aussi comme ça, chiné.
Voilà, il est comme ceci. J'ai pris aussi 1,10 m. Il était aussi à 5 euros le mètre. Et vraiment, déjà, 5 euros le mètre plus moins 20% sur tous les tissus dans le magasin, ça vaut vachement le coup. On est d'accord déjà que 5 euros, ça vaut vraiment le coup. Ma mère et moi, on s'est dit, waouh, quand même, c'est sûr, moins 20%, c'est pas beaucoup. Mais sur des tissus aussi peu chers, entre guillemets, au mètre, c'est vrai que ça vaut le coup encore plus que d'habitude, vous voyez. Et voici pour le tissu, donc je l'ai déplié. Je crois que au niveau de l'élasticité, c'est la même chose, hein. Donc comme ça, et de l'autre côté, je crois que c'est la même chose. Un tout petit peu plus rigide celui-ci, mais je pense qu'il faut que je le lave et peut-être que ça sera un tout petit peu plus extensible. Mais voilà, vraiment très très contente pour ces deux tissus. Je vais pouvoir faire des beaux t-shirts pour mon frère. Donc c'est tout pour les tissus. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas acheté grand-chose. Et maintenant, je vais passer aux deux livres que je me suis acheté, un au mois de décembre et un au mois de janvier. Donc je vais vous les présenter. Si vous avez regardé mes vlogs de Noël, vous savez quel livre j'ai acheté pendant le mois de décembre. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc en fait, au mois de décembre à Saint-Malo, je me suis acheté le livre Dress de chez Direndo, qui se présente comme ceci. Ce livre est hyper connu, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. Donc il se présente comme ceci, je vais quand même vous le montrer un petit peu quand même. Alors il coûte 28 euros et en fait dans ce livre vous avez une grosse partie qui vous aide à savoir comment bien organiser votre garde-robe, etc. Et ensuite vous avez plusieurs modèles à l'intérieur. Donc vous avez, je vais vous dire, il faut juste que je trouve la page. Attendez, j'arrive. Donc pour commencer on a le t-shirt qui est comme ceci. Donc on peut le faire avec deux cols différents, avec un col V ou un col rond. Voilà. Et au niveau des tailles, pour les personnes que ça intéresse dans ce livre, ça va de la taille 34 à 52. Donc ça c'est vraiment bien, il y a vraiment un large choix de taille. Ensuite nous avons la jupe qu'on peut faire longue ou plus courte. Ensuite, nous avons le col montant, donc le col montant avec manche longue ou en version débardeur. Moi, j'ai fait la version débardeur, mais je ne l'ai pas encore terminée. Normalement, je le termine aujourd'hui. Et c'est un modèle très très facile, hein. Tous les modèles que vous trouvez dans ce livre sont très faciles à réaliser. Donc vraiment, si vous cherchez un livre avec des modèles assez simples à faire et vraiment indémodable, on va dire comme ça, c'est vraiment le livre à avoir. En plus, la marque Direndo, c'est vraiment une très très bonne marque. Ensuite, vous avez la robe, donc à manches courtes, mais que vous pouvez faire soit longue ou soit courte. Donc voilà. Ensuite, vous avez la blouse que vous pouvez faire en taille, entre guillemets, longueur t-shirt ou en longueur robe. Ensuite, vous avez le chemisier avec deux encolures différentes. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas l'encolure qui change, c'est les manches. Vous avez soit les manches, je crois, trois quarts ou les manches courtes. Et je crois que pour terminer, il y a encore deux modèles. Vous avez le pantalon que vous pouvez faire en version pantalon ou en version short. Et pour terminer, vous avez la veste. Alors pour moi, la veste, c'est plus un gilet qu'une veste, mais c'est un modèle que j'aimerais bien me faire. Parce que je trouve le modèle super sympa, qui est comme ceci. Donc vous pouvez faire soit long ou soit court pour ce modèle. Et normalement, je crois que j'ai fait le tour. Je vais voir. Non, j'ai oublié. Ah non, j'ai encore oublié un modèle. C'est la jupe culotte. Donc voilà, que vous pouvez faire en version short ou en version pantalon. Donc voilà pour tous les modèles. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous n'avez pas de planche de patron. Pour les personnes qui aiment bien reporter les patrons, c'est sûr, pour vous, vous préférez ça. Mais pour les personnes qui n'aiment pas, vous allez aimer. Parce qu'en fait, il faut télécharger les patrons qu'il y a dans ce livre sur leur site directement. Parce qu'à la fin du livre, vous avez un code à rentrer sur le site. Voilà, qui est juste là. Et en fait, bah, ça vous donne tout simplement les patrons PDF à imprimer. Donc voilà, vous avez pour version A, version B. C'est la même chose pour chaque réalisation, chaque vêtement, etc. Et j'ai déjà, comme je vous ai dit, essayé le col montant et c'est vraiment,
vraiment super, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même une bonne idée de faire comme ça, au moins comme ça le livre est pas trop épais et ça c'est vraiment cool. Et en plus les modèles sont vraiment super sympas à faire, je pense. Comme je vous ai dit précédemment, j'en ai fait que un pour l'instant de modèle dans ce livre, mais Dierendo en soi c'est quand même une très très bonne marque de patron, donc vraiment je suis vraiment contente de l'avoir acheté et de l'avoir surtout trouvé en magasin parce qu'il est quand même assez dur à trouver quand même. Et aussi une autre chose que j'ai oublié de préciser, quand vous allez télécharger avec le code qui est à la fin du livre, il faut absolument avoir un compte sur leur site. Si vous n'avez pas de compte sur leur site, d'abord créez votre compte sur leur site et ensuite vous pourrez mettre le lien qui est écrit à la fin du livre. Et ensuite, rentrez le code et là, vous aurez pas de problème. Voilà, c'est le petit conseil. Et maintenant, je vais passer au deuxième livre que j'ai acheté récemment, donc au mois de janvier. Donc, j'ai acheté le livre Sportswear de Charlotte Jobert, édition Mango, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils appellent ça Atelier Couture. Oui, c'est Mango, je viens de voir, excusez-moi. Donc voici ce livre, bon il est très connu aussi, donc pas vraiment besoin de vous le présenter, mais je vais vous quand même présenter pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà, tout simplement, ce livre est sur le thème du sport, mais il y a plusieurs livres comme ça sur d'autres thèmes. Vous avez sur le thème du wax, pour des vêtements un peu cocooning aussi, pour tout ce qui est l'allaitement, pour les femmes enceintes, etc. Vous avez vraiment plusieurs livres différents. Bien sûr, pas avec la même personne qui a fait le livre. Là, par exemple, pour ce livre, c'est Charlotte Jobert qui a fait le livre, mais elle n'a pas fait les autres, je tiens à préciser. Donc, par rapport à ça, il m'a coûté 19,95€, mais vu que je l'ai acheté à la FNAC et que j'ai pris la carte à la FNAC, ils enlèvent toujours moins 5% sur le prix, comme à Leclerc, à l'espace culturel Leclerc, c'est la même chose. Donc, je l'ai payé, je crois, 17 ou 18 euros, un truc comme ça. Donc voilà, bon j'ai pas gagné grand chose, mais c'est déjà mieux que rien, on est d'accord. Pour ce livre, j'ai déjà testé un des patrons qu'il y a dans ce livre, c'est le crop top yoga. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à rentrer les pièces de patron dans mon tissu, donc ça y est, je l'ai fait, je l'ai terminé, donc vous le verrez soit sur Instagram, normalement, quand je filme cette vidéo, je sors le post soit aujourd'hui, soit demain. Donc quand la vidéo sortira, vous aurez déjà vu le post sur le crop top yoga. Mais sinon, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, bah, vous verrez ça dans le bilan couture que je sortirai, je pense, au mois de février. Donc je vais vous montrer les modèles qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie basique, danse, running, yoga et accessoires. Alors ce qui m'intéresse le plus, c'est pour la danse et pour le yoga. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas, je suis entre guillemets passionnée de la danse. Voilà, quand j'étais petite, j'avais des cours de danse, mais après, on n'avait plus vraiment les moyens, donc j'ai dû arrêter les cours de danse, mais j'ai toujours continué à danser, j'adore danser. C'est vraiment une de mes passions, j'aime beaucoup. Et le yoga, bah, ça va faire bientôt plus d'un an que je fais du yoga et j'aime beaucoup trop. Je vais vous montrer les modèles, comme je vous ai dit. Donc là, on a les deux modèles dans la catégorie basique. Donc on a le legging et la brassière. Pour les personnes que ça intéresse, les étapes sont illustrées comme ça, avec des photos. Et dans le livre Dress, je n'ai pas montré, mais c'est illustré avec des explications, avec des dessins. Ensuite, pour la danse, on a un espèce de body, comme ça. Voilà, avec un dos comme ça, bah dans le dos, tout simplement, un dos nu. On a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le pantalon et le haut, qui est comme ceci, qui sont vraiment très très jolis. Donc c'est le juste au corps. C'était pas vraiment le body, c'est un juste au corps. Pour le yoga, vous avez la brassière et le legging, que vous voyez sur ces photos. Et ensuite, vous avez le crop top yoga, que je vous ai parlé juste avant, qui est celui-ci que j'ai réalisé. Et ensuite, pour terminer, vous avez deux accessoires. Donc, vous avez pour faire des chaussettes ou soit pour faire un sac pour ranger vos affaires de sport. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour les patrons, ça se trouve dans cette pochette-là. Et en fait, tout simplement, c'est des planches de patrons qui sont vraiment très, très bien organisées. Donc vraiment, vraiment facile à reporter les patrons. Donc voici pour ce livre qui est vraiment sympa. Après, c'est le seul qui m'attire par rapport aux autres. Mais après, peut-être que je dis ça, mais peut-être qu'un jour, je vais changer d'avis. Ça y est, j'ai terminé au niveau des livres sur la couture. Maintenant, je vais passer au magazine.
Alors, au niveau des magazines, j'ai du Pur Daisy, de la Maison Victor et un mode et travaux hors série. Je vais commencer par le mode et travaux hors série que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté hier, donc vendredi 14 janvier pour vous dire. Alors bien évidemment, celui-ci il est sorti au mois de décembre, donc j'ai vraiment pris mon temps. Donc c'est celui-ci, donc c'est le mode et travaux spécial cocooning 10 patrons tout doux. Et vraiment les patrons à l'intérieur sont vraiment sympas. Je vais pas vous mentir, quand ils ont sorti le mode et travaux hors série avec la collaboration de Super Bison, je l'ai pas acheté. Et maintenant je le regrette un peu. Voilà, tout simplement parce que j'ai jamais testé les patrons de la marque Super Bison et j'entends que du bien. Mais bon, tant pis, peut-être qu'ils en feront une collaboration encore une fois, j'espère, je croise les doigts. Sinon, j'ai essayé de regarder sur le bon coin, etc. Mais je pense qu'il doit être assez difficile à trouver. Sur le site Mode et Travaux, impossible de le commander, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, j'ai au moins celui-ci. Il coûte 9,90€. Au niveau du magazine, c'est avec des planches de patron, hein, voilà, comme dans tous les magazines, bien évidemment. Donc voici le sommaire. Et au niveau des patrons, vous avez une chemise, une robe, une blouse, un peignoir, un pyjama, une jupe, une robe encore une fois, une veste, un pull et un pantalon. Alors au niveau des tailles, pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille 36. Alors ils disent de 36 à 56. Dans le magazine, mais quand vous regardez sur le devant, ils disent que ça va que du 36 au 48. Donc c'est un peu bizarre, donc je pense qu'il faut surtout se fier à ce qui est écrit sur le devant du magazine et pas à l'intérieur. Au niveau des explications, c'est avec des dessins et des explications. Voilà, donc là je crois que c'est le peignoir, ouais, c'est le montage du peignoir. Donc le peignoir par exemple, c'est un niveau débutant. Pour la blouse, Florence est débutante aussi. La robe, c'est la robe Séville. C'est initié. C'est avec des petits volants, comme ça. Je vais essayer de vous montrer d'autres. Hein. Bon, après, il ne faut pas non plus que je prenne trois plombes, parce que j'ai encore plein d'autres magazines à vous montrer. Voilà. Là, vous avez la veste Vancouver, qui est comme ceci. C'est un peu comme une surchemise, un petit peu. Et ben, je vous ai déjà montré la robe, la blouse Florence. Je ne vous l'ai pas montrée, je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le peignoir, hein, qui est comme ceci. Voilà, c'est un grand peignoir assez long, qui peut aussi servir, on ne va pas se mentir, de gilet. Hein. Voilà, vous avez le pyjama, donc vous avez le pantalon et le haut qui est une chemise. Après, vous avez la jupe Édimbourg. Je vais y arriver. C'est un niveau experte, à ce qui paraît. Bon, peut-être que... Ah oui, parce qu'il y a plein de pliures à faire, sûrement. Ouais, je pense. Ensuite, vous avez la robe Cambridge. Et attention, je sors l'accent anglais pour la robe, qui est très très jolie. Vous avez la veste Saint-Pétersbourg. Bref, je vais pas le dire. Vous savez quoi, ça sera pas mal. Voilà, c'est la veste bleue que vous voyez. Ensuite, nous avons le pull Stockholm. Ça, c'est plus facile à dire encore, ça va. Et vous avez le pantalon qui va avec, mais il n'a pas le même nom. Il s'appelle pantalon Oslo. Voilà, qui en fait va avec le pull Stockholm. Donc voilà pour ce magazine. J'ai déjà essayé un des patrons de mode et travaux et ils sont pas mal. Vraiment pas mal. Donc hâte d'essayer un de ces patrons dans celui-ci. Maintenant je vais passer aux trois magazines à Maison Victor que j'ai achetés. Donc c'est ceux de la fin de l'année 2021. Donc j'ai celui de septembre-octobre, novembre-décembre et celui de début de cette année, donc janvier-février 2022. Donc, on va commencer par celui de septembre-octobre 2021, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si je vous montre les modèles qu'il y a à l'intérieur, parce que il est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais voilà comment il se présente. Je ne sais plus du tout si je vous l'ai déjà présenté dans un haul, vu que ça fait un moment que je l'ai acheté. Je ne sais plus. C'est quand j'ai acheté celui-là? C'était pas au mois d'août? Au mois d'août, je vous ai pas fait un haul, je sais plus, je sais plus du tout. Bon, si je vous l'ai déjà montré, je suis vraiment désolée, je m'en souviens plus du tout. Donc j'ai celui-ci, donc je sais pas si ça va se voir de loin, mais voici tous les modèles qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez 4 modèles pour enfants,
un modèle pour homme et après vous avez plusieurs modèles pour femmes. Il y a un modèle tricot à l'intérieur. Donc je crois que je voulais présenter hein, celui-ci parce que je vois qu'elle a la jupe Charlotte et je me souviens que je vous avais dit qu'il m'intéressait ce patron et même qu'une personne m'a demandé en commentaire s'il était facile ou si c'était des rectangles, je crois. Oui, je crois que je vous ai fait un haul avant de déménager. Je crois que je vous l'ai déjà présenté. Bon, c'est pas grave, on va le représenter, c'est pas très grave. Pour celui-ci, donc, je vais vous montrer les modèles à l'intérieur. Mais après, vous pouvez acheter les patrons directement sur leur site. Hein, voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter le magazine, bien évidemment. Donc, voici les modèles. Je sais pas du tout si vous voyez bien. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles comme ça. Et je vais répondre à la personne qui m'avait demandé si au niveau de la jupe Charlotte, c'était vraiment que des rectangles. Donc je vais vous dire, parce que quand la personne m'avait demandé, j'avais tout rangé, tous mes magazines, etc., vu que j'étais en plein déménagement. Donc je vais pouvoir vous répondre. Il faut juste que je le retrouve. Et par exemple, dans ce magazine, il y a le fameux pull lean que je vais me faire normalement ce mois-ci. Comme ça, je vous montre aussi. Mais sinon, nous, on vient pour la jupe Charlotte. Qui est pas là, elle doit être au fond, alors. Elle est où? T'es où? Donc, pour la personne qui m'avait posé la question par rapport à la jupe Charlotte, qui est celle-là. Donc, oui, c'est que des rectangles. Donc, en soi, vous cassez pas trop la tête hein, pour cette jupe-là. C'est que des rectangles. Mais après, je sais pas. Bah, ils vous donne le patron. Après, ils vous disent pas les dimensions pour faire ces rectangles. Malheureusement, par contre. Je suis en train de regarder, ils ne donnent pas de dimension, ils vous disent bah, de regarder sur la feuille à patron 4. Voilà, pour vous dire. Donc voilà, mais sinon, pour les personnes qui voulaient savoir pour cette jupe-là, oui, c'est bien que des rectangles. Voilà. Oui, je vous donne ça en 2022, alors qu'on m'a posé la question en 2021. Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Pour ce magazine, au niveau du prix, c'est 9,95€. Mais... En soi, les patrons de la Maison Victor sont vraiment pas mal. Ils ont vraiment des très très bons patrons. Après, c'est un peu comme Burda, ça taille un petit peu grand. Je préfère vous prévenir parce que c'est des patrons néerlandais, si je dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, quand c'est pas des patrons français, dès que c'est allemand, néerlandais, belgique, etc., ça taille toujours plus grand. Donc voilà, je suis au courant... J'ai vécu en Lorraine depuis que je suis petite, depuis que je suis née. J'ai déjà été en Allemagne, en Belgique. Et je vous rassure, les vêtements taillent plus large qu'en France. Donc je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai acheté là, toujours à Maison Victor, mais novembre-décembre 2021. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté. Donc il se présente comme ceci. Vous avez 12 patrons de fête. Toujours le même prix, 9,95€. Au niveau des modèles, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 modèles pour femmes, 3 modèles pour enfants et un modèle pour hommes. Que dans ce magazine-là, j'ai déjà fait, pas un vêtement, mais c'est un espèce de DIY qu'ils proposent dans le magazine. Et en fait, ils donnent aussi le patron pour le faire. C'est le tablier Léa. Voilà. Mais sinon, voici les patrons principaux, on va dire comme ça. Donc voilà, vous avez donc des une robe, un pantalon, bah, vous avez plusieurs robes, vous en avez deux, ouais, deux robes, une blouse, un gilet, un pantalon, non, deux blouses, excusez-moi, une jupe. Non, il y a trois robes, je vais y arriver, je suis désolée. Donc il y a trois robes pour les femmes, un pantalon, deux blouses, un gilet et une jupe. Pour l'homme, c'est un pantalon et pour les enfants, il y a une chemise, une robe et un pantalon. Qui a un peu une genre de salopette, qui est très très jolie. C'est dommage que je ne suis pas une enfant. Bah si, je l'étais, hein, mais ça fait un moment que je ne le suis plus, on va dire comme ça. Je vais vous montrer le tablier que j'ai réalisé qui se trouve dans ce magazine-là. Donc comme je vous ai dit, c'est un DIY qui rajoute dans le magazine. C'est bien qu'ils mettent le patron inclus avec, comme ça c'est bien. Et j'en ai déjà fait, je crois, 2-3 des tabliers avec ce patron-là. Et ma mère adore les tabliers que je lui ai fait. Donc voici le tablier Léa qui propose dans le magazine. Pour ce magazine, je ne sais pas si j'aurais fait un close-up en vous montrant tous les modèles. J'espère, je pense que je le ferai quand même. Mais voilà, sinon les modèles sont très très sympas. Mais voilà, le seul truc que j'ai fait dans ce magazine, c'est le tablier de cuisine. Voilà, tout simplement. Mais bon, je me dis, ça peut toujours servir après. Je l'ai acheté surtout pour le tablier de cuisine de base. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, j'ai acheté celui de début de cette année, donc janvier-février 2021, qui est sorti au mois de décembre, donc qui se présente
comme ceci. Donc c'est 13 patrons de couture plus un modèle de tricot. Et en fait avec ce magazine là, ils offrent aussi un petit carnet de couture qui se présente comme ceci, qui est fort sympathique. Alors pour les personnes que ça intéresse, je vous montre tous les modèles dans un vlog de Noël. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit i. Et en fait, voilà, pendant les vlogs de Noël, bah, je l'ai acheté et je vous ai montré en fait, tous les modèles qu'il y avait à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce vlog tout simplement. Et sinon, bah, toujours le même prix, hein, je ne vais pas vous le redire. Sinon, vous avez au niveau des patrons. Au niveau des patrons, vous avez une veste, vous avez trois robes, vous avez un sweat et un pantalon. Et en fait, ça vous fait un ensemble de, voilà, de jogging, en fait, tout simplement. Vous avez un autre, vous avez deux sweats, en fait. Vous avez un haut qui est le haut Tessa. Pour les hommes, c'est une veste. Pour les enfants, il y a une robe, un pantalon et un pull. Et j'ai déjà réalisé un patron dans ce magazine-là, qui est le sweat Marou. Donc, je vais vous le présenter. En plus, j'ai mis le post-it. Je vous l'ai montré dans mon bilan couture novembre-décembre 2021. Donc, c'est celui-ci. En fait, c'est le modèle que vous voyez, en fait, tout simplement en blanc sur la page de couverture, on va dire comme ça, du magazine. Et vraiment, je l'ai fait et il est super sympa, il est super facile à faire. À part juste une étape que j'ai pas compris, mais sinon vraiment les modèles à l'intérieur sont vraiment vraiment sympas pour commencer l'année 2022. Vraiment, sont vraiment chouettes. Surtout le OTSA là, j'aimerais bien me le faire, mais pour l'instant j'ai pas acheté de tissu. Donc peut-être pour plus tard. Et pour terminer, je vais vous présenter les burdaisies que je me suis acheté. Donc le premier, je me suis acheté celui de septembre-octobre 2021. Donc le voici. Il est comme ceci. Donc au niveau des tailles, pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille 34 à 44. Le prix, c'est 7,50 €. Et en fait, dans les burdaisies, vous avez que 5 modèles à chaque fois. Après, je trouve qu'encore ça va. Mais c'est vrai que pour 7,50 €, ça fait un peu cher. Parce que si on compare la Maison Victor qui coûte 9,95 €, il y a beaucoup plus de modèles à l'intérieur. Mais bon, après, on va pas non plus demander la lune à Burda. Hein. Ils nous font déjà des patrons faciles à faire, c'est principal, on est d'accord. Donc voici pour celui-là. Donc je vais vous montrer les 5 modèles. Donc voici les modèles qu'on peut avoir. Donc on peut avoir une jupe à volant, un sweat à capuche, une blouse, une robe qui est très très jolie. Et on peut avoir aussi des vestes. Alors en fait, vous avez 5 modèles, mais vous pouvez faire 3 façons différentes. Par exemple, pour la jupe, vous pouvez la faire courte, mi-longue ou longue, par exemple. Pour le sweat à capuche, je crois que c'est à peu près la même chose, soit court, donc sweat à capuche classique, soit un peu plus long, soit un peu en version robe, on va dire comme ça. Et pour la blouse, par exemple, je crois que c'est à peu près la même chose, à part qu'on peut peut-être faire en version robe un petit peu. Et pour la robe, je crois que c'est au niveau de la longueur et au niveau des manches. Et au niveau de la veste, c'est la même chose, je crois. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il présente les explications. Alors par rapport au burda classique, c'est vraiment différent, hein, je tiens à préciser. Voilà, par exemple, on va tomber sur celui du sweat à capuche, qui est comme ceci. Donc voici la mise en page pour vous montrer comment ça se présente. Et ensuite, vous avez les explications qui sont comme ceci. En fait, c'est des dessins avec des explications en dessous. Par rapport au burda style, vous avez rien du tout à part des explications et vous vous débrouillez. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment très très différent des burda style. Parce que en fait, c'est vraiment des patrons faciles, mais en même temps, ils vous expliquent bien, il y a des dessins, etc. Alors que dans les burda style, bah, vous avez juste de la lecture et vous vous débrouillez en fait. Bon, vu que ma mère m'a coupé, je ne sais plus du tout ce que je racontais. Le seul truc que je me souviens, c'est que je vous disais que les burda style, ils étaient plus compliqués que les burda easy. Mais après, sinon, ah oui. Par contre, par rapport aux burda easy, mais je crois que c'est aussi, je crois la même chose peut-être avec les burda style, mais j'ai un doute, ou c'est avec les burda style plus. Mais en fait, pour les burda easy, à chaque fois, ils vous font le tuto sur un des modèles qu'il y a sur le magazine.
Et la plupart du temps, c'est le modèle qui se trouve en couverture sur du magazine, tout simplement. Là, par exemple, ils ont fait le tuto pour faire le sweat à capuche. Vous pouvez retrouver le tuto sur leur chaîne YouTube qui est Burda Style Magazine France, je crois, un truc comme ça. Je vous mettrai aussi le lien de leur chaîne en barre d'infos. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le magazine Burda Easy pour celui-ci. Ensuite, j'ai acheté celui du mois de novembre-décembre qui est comme ceci. Donc, comme je vous ai dit juste à l'instant, en fait, ils ont fait le tuto de ce vêtement qui est la cape. Donc, vous pouvez retrouver le tuto sur leur chaîne. Toujours au niveau des tailles, c'est 34-44. Le magazine coûte toujours 7,50 €. Et au niveau des 5 modèles, je vais vous dire ce qu'on a dans celui-ci. Donc, voici les 5 modèles. Donc, on a un pull, une cape, une robe, une blouse et un pantalon. Donc, au niveau de la cape, au niveau des 3 modèles différents, c'est au niveau de la longueur, hein, bien évidemment, soit court, mi-longue, on va dire comme ça, ou longue. Au niveau du pull, c'est au niveau des manches et un peu au niveau de la longueur que ça change. Et au niveau de la robe, je crois que c'est la même chose, mais au niveau, je crois que c'est que la longueur de la robe, mais les manches ne changent pas, j'ai l'impression. Non, si les manches sont différentes. Au niveau de la blouse, c'est pareil, c'est au niveau, surtout au niveau des manches que ça change. Et vous avez le pantalon, bon, le pantalon ne change pas vraiment des masses, j'ai pas l'impression. Peut-être, ça dépend, peut-être du modèle. Voilà, et en bonus, vous avez le col XXL. Voilà, vous savez, c'est les fameux col Claudine qu'on fait pour mettre par-dessus un vêtement ou en dessous d'un vêtement. C'est à la mode, j'ai l'impression. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Alors, au niveau des modèles, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un post-it parce qu'en fait, il y a un modèle dans le magazine qui va beaucoup m'aider pour un de mes devoirs que je suis en train, que j'ai bientôt commencé. Et en fait, je dois réaliser une tenue complète. Et en fait, je dois choisir soit un pantalon, soit une jupe par rapport à de ce qu'il y a dans le cours. Je dois trouver un patron dans le commerce qui se rapproche du modèle qu'ils ont présenté dans le cours. Voilà, tout simplement. Et le modèle que j'ai trouvé pour faire le pantalon, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, il demande juste un pantalon avec une ceinture élastiquée ou avec... avec un cordon, hein, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi pas celui-ci. Vraiment très simple, il ressemble. Le seul truc que je dois changer, c'est... que je dois rajouter, surtout, c'est des poches plaquées au niveau des fesses, hein, au niveau du dos. Mais sinon, voilà le modèle que j'ai peut-être réalisé pour mon devoir. Et le modèle est très simple et très joli, donc... je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ah oui, aussi, je vous ai pas parlé des planches de patron. Les planches de patron, ça se présente comme ceci. En fait, à chaque fois, sur les planches de patron, vous avez à chaque fois deux modèles sur le patron. Ce qui fait que les patrons ne sont pas superposés. Donc là, par exemple, on a le patron du col et de la cape. Ensuite, là, on a celui de la robe et du pull à col roulé, on va dire comme ça. Et pour terminer, vous avez celui pour le pantalon et pour la blouse. Et c'est vraiment bien organisé, donc il n'y a pas énormément de taille, donc ça va, c'est pas non plus très compliqué. Mais en soi, les Burda Easy sont vraiment faciles pour les personnes qui commencent vraiment à coudre leurs vêtements. Après, bien évidemment, il faut faire attention, les patrons Burda taillent quand même assez large. Après, j'ai un conseil à vous donner. Moi, je ne le savais pas parce que je pensais absolument qu'il y avait les marges de couture déjà incluses, mais il faut arrêter de rêver, on est d'accord. Et en fait, je n'ai jamais mis les marges de couture sur les patrons Burda. Voilà. Donc, si vous voulez pas que ça soit trop large, je vous conseille de ne pas mettre les 1 cm de couture. Comme ça, vous êtes sûr que ça taille un tout petit peu plus petit. Moi, c'est comme ça que je fais la plupart du temps avec les modèles de ces patrons-là, voilà, pour vous dire. Et par exemple, pour le pantalon de jogging que je porte actuellement, c'est un modèle de Burda Easy. Je n'ai pas mis les 1 cm et ça me taille vraiment plutôt bien. Ça fait vraiment pas sac à patate, etc. Ça taille vraiment bien. C'est un autre conseil, voilà, pour vous. Et pour terminer, niveau Burda Easy, j'ai acheté celui du mois de janvier et février, donc de cette année, qui se présente comme ceci. Donc, encore une fois, vous avez 5 modèles.
toujours de la taille 34 à 44, mais là par contre je crois que c'est une nouveauté pour cette année 2022. Il n'y a pas qu'un seul tuto vidéo par rapport à un modèle du magazine, il y en a deux maintenant. C'est gris nouveau, deux tutos vidéo. Donc vous avez le tuto de la robe que vous voyez ici et de la jupe juste là. C'est pas mal, c'est cool en soi. Bien évidemment, le magazine coûte toujours le même prix, 7,50 €. Je me souviens que l'année dernière, en 2021, ça avait augmenté. Parce qu'en 2020, les Burda Easy, ils coûtaient, je crois, moins cher, je crois 6,50 €, un truc comme ça, ou un peu moins. Attendez, je vais vous dire, parce que j'ai des anciens de l'année 2020, je vais vous dire combien ça coûtait avant. Là, par exemple, j'en ai un ancien, là, de 2020, ça coûtait 6,95 €. Voilà, j'étais pas très très loin, entre guillemets. C'est déjà une bonne nouvelle, ils ont pas encore augmenté le prix, donc ça, c'est cool. Si, donc on va aller voir les modèles, parce que ma mère a été le chercher pour moi tout à l'heure. Donc voilà, et entre temps, bah, elle l'a trouvé. Donc voici les modèles. Donc on a un pull, on a une jupe, un pantalon, la robe, une veste, et en cadeau, en DIY, on va dire comme ça, il y a le patron pour faire un foulard. Donc bah, au niveau de la jupe, c'est au niveau des trois modèles, c'est la longueur qui change, j'ai l'impression. Au niveau de la jupe, je crois que c'est une jupe un peu élastiquée avec des poches. Et après, on met un cordon à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est ça. Le pull, bon, c'est un pull assez classique, mais je crois qu'il y a un petit truc sur le côté. Resserré, entre guillemets, au niveau de la taille sur un côté, je crois. Ensuite, la robe, c'est une robe avec un peu... j'ai vu le tuto sur leur chaîne. C'est une robe avec une encolure cache-cœur, un petit peu comme ça. Et en fait, au niveau de la taille, c'est élastiqué. Voilà. En soi, c'est sympa. Le pantalon, c'est un pantalon, je crois, sans élastique, mais avec des pinces sur le devant et dans le dos, je crois. Et la veste, bah, c'est une veste... attendez, je vais vous dire ce qu'ils ont écrit. Bah, ils disent que c'est trois variantes de veste, courte, imperméable, manteau, bimatière, à grande poche. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les modèles qu'il y a à l'intérieur, vite fait. Donc ça, c'est le pull, par exemple. On a quoi? On a la jupe ici, en jaune moutarde. Voilà, en version courte. On a la robe, qui est comme ceci. Après, là, vous avez des photos du foulard qu'on peut faire grâce au patron qu'il y a dans le magazine. Et ensuite, bah, c'est représenté de la même manière que dans les autres de l'année dernière. Donc voilà, donc vous avez les trois modèles que vous pouvez faire. Et ensuite, vous avez les explications qui sont comme ça. Et je vais vous montrer les modèles donc avec les dessins techniques. Donc ça, c'est la veste. Ensuite, là, on a le pull et le pantalon. Et pour terminer, on a pour faire la robe et la jupe. Et on n'a pas du tout de patron pour faire, j'ai l'impression, le foulard. Bon, après, je pense qu'un foulard, ça doit être assez facile à faire. Alors, au niveau des modèles, dans ce magazine-là, le modèle du pantalon m'intéresse. Peut-être la robe aussi. La jupe, je ne suis pas très jupe, donc... m'intéresse pas trop. Le pull est sympa, mais voilà. Et la veste, ben, je me suis déjà fait un manteau, donc non, j'ai pas prévu de refaire une veste. Mais sinon, les modèles sont très très sympas pour le dernier qui est sorti actuellement. Et voilà tout le monde, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.